Avant que cette course vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un gros pouce vert pour mon travail fourni pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avance. Yo tout le monde, c'est Hirox, j'espère que vous allez bien, car moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 5 des meilleurs serveurs 1.10. Donc pour ce premier serveur c'est c'est Peak Games. Donc un serveur qui promet beaucoup, juste son spawn il est vraiment super, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Moi je trouve que c'est plutôt bien, comme j'ai dit depuis tout à l'heure. Donc il y a plusieurs types de jeux, il y a Falling Block. Donc c'est en gros il y a des blocs qui tombent petit à petit en fur et à mesure des secondes. Et après bah, c'est le dernier qui gagne. Sabotage, c'est un peu le principe du FK Game. Sauf que là faut activer la bombe et tu peux désactiver et puis voilà ça part en steak. On a le pick shoot, en gros tu dois tirer sur des petits pics, des petits cochons hein, comme là-bas. Et donc on va tout de suite passer au quatrième serveur. Que pour la deuxième position nous avons Relax Cube, un très très bon serveur donc qui est très bien, qui est très connu aussi, Relax Cube, voilà. C'est plutôt cool. Moi je trouve que c'est un très bon serveur. Voilà, donc on peut faire des un peu comme des UHC, sauf que c'est des Top Gun, donc un peu de PVP et tout. Disrun, tu peux tout faire, c'est trop bien, c'est un très bon serveur avec des très bons builders aussi. Et donc on passe tout de suite à la troisième position. Play PVP. Donc c'est un serveur de PVP mais là j'ai des petits lags, du coup ça me met je sais pas et des trucs bizarres. Donc là c'est la map de récupération pour les joueurs qui lag je crois, ou un truc comme ça. Mais sinon ça ne ressemble pas du tout à ça. Donc c'est un très bon serveur de 1v1. Donc je mettrai tous les IP dans la description. Et donc on passe tout de suite à la deuxième position. Donc à la deuxième position nous avons bien sûr Hypixel, un très très bon serveur qui est réputé pour ses Skywars. Donc là je vais checker vite fait mes coffres. C'est là je crois. Voilà, nice. Et donc il y a du Skywars, un peu de tout, il y a tous les modes, c'est trop bien, c'est un mini-jeu comme les serveurs que j'ai présenté un peu avant, à part Play PVP, donc il y a un serveur PVP comme tout son nom. Et donc on va passer tout de suite avec le numéro 1. Et donc nous avons en première position le serveur bien connu de tous, Epicube. Donc Epicube, un très bon serveur, vraiment excellent. Donc il est hyper connu, hyper famous. Tout le monde le connaît, c'est obligé. Epicube, c'est la base, c'est très bon serveur. Donc sur Epicube, vous pouvez faire beaucoup de mods. Donc il y a Ship Wars déjà, on va commencer par ça. Ship Wars, hein, le jeu où vous pouvez toutes les 50 secondes vous avez un mouton qui pop dans votre main, enfin une laine. Et quand vous l'achetez, vous allez avoir un mouton qui va se jeter tout simplement. Et donc qui aura différents effets. PVP Swap, donc c'est du PVP, je vais peut-être essayer de vous montrer un petit Fight Club, c'est pareil. Fight Club, PVP Swap, c'est pareil. Là, un petit PVP swap tranquille, je vais vous faire comme ça au calme. Ça sera pas une vidéo juste présentation, je vais faire une petite parenthèse PVP, sachant que je vais me faire démolir parce que je suis pas du tout un player PVP. Moi je suis plutôt un bon player
un bon player modérateur ou des trucs comme ça. Là, je vais me faire exploser. Là, je suis mort. Voilà. Donc, il a bien joué. Donc, c'est ça. C'est du PVP comme ça, 1v1. Donc, il y a beaucoup de mods. C'est un très très bon serveur. Donc, il y a pour tous les goûts. Il y a build war, voilà. Donc, c'est du celui qui construit le plus rapidement. Et après, c'est les votes en fonction du joueur. Enfin, celui qui construit le mieux, surtout. Gladiator, c'est du pur 1v1. C'est trop swag. UHC Run, bah, vous les connaissez, les UHC, hein, c'est la base. Fallen Kingdom, donc comme je vais rappeler, donc c'est le jeu, c'est un jeu en gros, vous commencez, vous avez une base, vous êtes à peu près 6, non vous êtes 5, à peu près 6-5, par team, et vous allez vous assaut au bout d'un moment, et puis voilà, ça fait péter les bases des autres. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo plutôt courte par rapport à mes anciennes vidéos. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et sur ce, tchuss !